Nous restons avec l'eau pour parler de l'OMS qui fête ses 44 ans le 11 mars. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créée en 1972 et après 4 décennies qui lui ont permis de construire de grands ouvrages hydroélectriques, l'OMS se lance dans de nouveaux chantiers. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le haut commissaire de l'OMS revient sur les enjeux stratégiques définis par les pays membres. Voici Cabinet Comara au micro de Ibrahim Diéyou. L'OMS, autant c'est un outil, un symbole d'intégration, c'est l'organisme leader dans le domaine de la gestion des eaux frontalières, pas seulement en Afrique mais dans le monde. En 44 ans, l'OMS a donné espoir donc aux populations du bassin et sur deux bases qui en font une fierté. La première, c'est que le fleuve et l'ensemble de ses eaux sont une propriété internationale. Unique au monde. Mais la deuxième base qui est venue par la suite, qui n'existe nulle part au monde, c'est que l'ensemble des ouvrages, ou tout ouvrage arrêté sur le fleuve, est propriété commune des États. Par quelques réalisations fondamentales, je vous disais qu'il n'y avait pas d'eau comestible dans le fleuve à partir de la saison sèche. L'OMS a construit à Diama un barrage qui a permis de stopper la remontée des eaux salées, qui permet de stocker 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, qui permet d'irriguer aujourd'hui 150 000 hectares de terre. Donc c'est la base de l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie, au Sénégal et en partie au Mali. Mais, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, 100% de l'eau consommée en offshore, c'est l'OMS qui vend à travers son barrage qui est basé à Saint-Louis, donc à Diama, 30 km de Saint-Louis, et 50% de l'eau consommée